Les saveurs de l'île de Noirmoutier vous présentent Noirmoutier, terre de mer par tradition. J'aperçois le Gouas. Me voici arrivée à Noirmoutier, cette île connue pour ses plages, ses ruelles, ses mimosas, sa pomme de terre et son sel. Je décide de marquer une pause à l'office de tourisme de l'île. Sur place, je demande des documentations utiles pour découvrir le territoire. Mon intérêt se porte sur un guide présentant les sites remarquables du goût de l'île de Noirmoutier et sur un jeu ludo-pédagogique. Un père et sa fille sont justement en train d'y jouer. Je profite de leur présence pour comprendre le fonctionnement du jeu. Il permet de découvrir les territoires insulaires avec ses producteurs, ses métiers, sa faune et sa flore. En empruntant la piste cyclable, je décide d'aller vers les quatre terroirs de production de l'île, reconnus sites remarquables du goût. Cette reconnaissance, portée par le ministère de la Culture, associe le produit emblématique d'un territoire à l'histoire et au patrimoine de ce même territoire. Noirmoutier, par sa singularité, en a une pour ses huîtres, son sel et fleurs de sel, ses pommes de terre et la sole de ses pêcheurs artisans. De l'Estran, en passant par les marais salants et les terres de culture jusqu'au port de pêche de l'Herbaudière, je perçois tout le patrimoine et le savoir-faire issus des générations passées qui ont permis à l'île de se développer et d'être le Noirmoutier d'aujourd'hui. À l'invitation des producteurs, je découvre leur métier. Je marque des étapes par les balises d'informations présentes aux abords des quatre coopératives de l'île. Près de l'église Saint-Philbert, je devine toute la richesse et l'histoire qui se concentrent dans ce plat terre de mer dégusté en terrasse par un couple. Des huîtres vendues au marché, au rayon d'un magasin de sel, en passant par des pommes de terre tout juste sorties de terre, à la sole du poissonnier, tout l'ADN de l'île se révèle à moi. Ce sont les productions qui ont façonné l'histoire de l'île. En fin de journée, les bateaux de pêche rentrant au port me font dire que demain, de nouvelles découvertes remarquables m'attendent. C'était Noirmoutier, terre de mer par tradition, présenté par les saveurs de l'île de Noirmoutier.